Bonjour Corinne, donc vous êtes archéologue et donc ici nous nous trouvons finalement à l'entrée de la lagune et Narbonne était le plus grand port romain de la Méditerranée occidentale. Est-ce qu'on peut dire qu'ici c'était en quelque sorte sa porte d'entrée ? Oui, tout à fait, c'est exactement la porte d'entrée du système portuaire de Narbonne puisque le site archéologique de Saint-Martin à Gruissant contrôle l'entrée de la lagune. Donc tous les bateaux qui veulent rejoindre le port de Narbonne par la voie fluviale passent devant Saint-Martin. Donc c'est ici qui sont contrôlés, qui sont enregistrés pour dire qu'ils vont effectivement rentrer vers le port de Narbonne. C'est aussi un endroit assez imposant. On a un bâtiment en grand appareil qui monte très haut et qui permet effectivement d'avoir un point de repère pour toutes les personnes qui rentrent dans ce système portuaire. C'est également un site qui est un site d'étape, c'est-à-dire que les bateaux qui vont de l'Italie ou vers l'Espagne ou inversement peuvent également s'y arrêter. Pas forcément remonter jusqu'à Narbonne, mais décharger ou au contraire prendre d'autres marchandises qui sont entreposées sur Saint-Martin. Et ils peuvent également faire le plein d'eau douce puisqu'on a de très grandes citernes qui accompagnent ce site et qui permettent effectivement de fournir en eau potable les bateaux. Donc en fait c'est une capitainerie de l'Antiquité. Oui, c'est une sorte de capitainerie de l'Antiquité. On parle également de préfecture maritime puisqu'on pense qu'il y a également un véritable contrôle. Dans l'Empire romain, tout est contrôlé. On a un système douanier également. Donc on est peut-être effectivement ici sur une sorte de zone de douane du système portuaire. Tout à l'heure, vous nous avez montré des thermes. Donc ça veut dire que tous les braves gens qui passaient ici disposaient de salles de bain, étaient déjà à une époque relativement proche de la nôtre finalement. Oui, tout à fait. Lorsqu'on arrive effectivement sur le site, on a deux zones thermales, donc deux salles de bain de l'Antiquité, qui permettent effectivement, lorsqu'on arrive justement de loin, un petit peu de se laver, de se prélasser, on va dire, avant de repartir. Bon, et donc, vous travaillez pour qui ? Donc, c'est ce centre de recherche, vous appartenez à un centre de recherche national, départemental, expliquez-nous. Donc, j'appartiens au Centre national de la recherche scientifique et je travaille dans l'UMR 5140 de Latte, qui est une unité mixte de recherche, archéologie des sociétés méditerranéennes. Donc, c'est un laboratoire qui associe plusieurs institutions. Donc, nous avons essentiellement comme partenaire l'université Paul Valéry et le ministère de la Culture. Donc vous faites partie des gens qui pensent que c'est dans le passé qu'on lit notre avenir ? C'est là que sont les grands axes ? Oui, tout à fait. Effectivement, lorsqu'on voit comment fonctionne le système portuaire de Narbonne antique, on a toujours cette volonté aujourd'hui d'avoir des zones portuaires. On le voit avec Port-la-Nouvelle, qui est le port actuel. Donc on comprend effectivement toute cette évolution du passé et ça permet de voir les difficultés qu'on a à l'heure actuelle justement à vouloir conserver ces zones portuaires. Qui sont en fait le lieu où arrivent les échanges. C'est le lieu où tout se passe, la zone portuaire. Oui, c'est effectivement un lieu de commerce, mais c'est aussi une zone de contact culturel. C'est effectivement dans les ports où se brassent toutes les populations. Et effectivement, c'est là aussi où on reçoit des marchandises de tout l'Empire. Et là, c'est vraiment évident dans tous les témoignages archéologiques, c'est-à-dire qu'on va retrouver des amphores qui viennent de toute la Méditerranée, de Méditerranée occidentale ou orientale. Et là, on voit effectivement ce mélange également dans les goûts, on va dire, parce qu'on adopte des cuisines qui viennent d'ailleurs également et des goûts qui viennent d'ailleurs. Alors, je vais poser une question un peu personnelle. Pour vous, être méditerranéenne en 2013, ça veut dire quoi ? Ça a un sens ? Oui, c'est un sens. À l'époque romaine, on parle de Mare Nostrum, notre mer, et on sent que c'est vraiment une entité forte et qui nous lie les uns les autres. Merci beaucoup, Corinne.